Alors effectivement, c'est une bonne question. La théorie du genre n'existe pas en tant que telle. En tout cas, ça n'est pas un terme qui est revendiqué par les spécialistes des études de genre. Le terme théorie du genre a été inventé par des intellectuels proches du Vatican au début des années 2000, en réaction notamment à la montée en puissance des mouvements pour l'égalité des sexualités et pour l'accès des personnes homosexuelles au mariage et à la parentalité. Les qualifier de théorie du genre, d'une certaine manière, c'est faire comme s'il s'agissait d'un corpus homogène, orienté vers une fin politique déterminée, alors que les études sur le genre, c'est une grande variété de savoirs empiriquement éprouvés qui sont constitués dans une pluralité d'approches disciplinaires. Il n'y a donc pas d'homogénéité. Donc c'est vrai que le terme théorie du genre, vraiment au singulier, ça unifie des choses qui ne sont pas du tout unifiables. Et puis, par ailleurs, c'est quelque chose qui a été utilisé et disqualifié parce que venant des États-Unis, au départ, on ne parlait pas de théorie du genre, mais plutôt de théorie du gender, pour montrer justement à quel point c'était quelque chose qui venait de loin des États-Unis, du multiculturalisme, qui allait s'opposer finalement à d'autres projets d'idéal républicain. Donc ça a été un moyen de le disqualifier. Et c'est vrai que c'est pas du tout un corpus de savoir unifié et que on va utiliser les travaux sur le genre et faire des travaux sur le genre en histoire, en sociologie et en psychologie, et pas du tout comme si c'était une théorie unifiée.